Et nous sommes repartis pour plus de War Tales. Alors, la dernière fois on avait... la dernière fois on a fait beaucoup de choses, Genre, on a fini la crypte, on a fini... Enfin le temple là, comment ça s'appelle ? Le tombeau. On a fini ça, on a contaminé un puits. C'était peut-être une connerie à faire. Mais bon, on a fait des choses, c'était pas les meilleurs. Maintenant, on a un camp de bandits, on va le faire. Après, on va s'occuper des déserteurs ici. Et je crois qu'on va remonter pour faire la quête de la baie. Donc, ouais, let's go. Alors ici, il reste plus qu'un crâne, donc ça va, ça devrait pas nous poser vraiment un problème. Apparemment, on a eu un point. Gain d'influence après un combat augmenté. C'est vrai que c'est pas mal. Sans de conversation. Critique plus 5%. Dégâts critiques plus 7%. Ah, oh, ok. Thème, il faut des cuirs partout, quoi, c'est ouf. C'est peut-être un peu abusé, je trouve, non? Ce jeu-là. Je vois pas pourquoi il demande du cuir sur même des dagues et tout. Enfin, le manche, ouais. Mouais. À la limite, ouais. On a les esprits, c'est les esprits qu'on entend là-bas. Prendre à forger quoi? Une masse à deux mains, hache de bataille en fer, une clé mort. Je pense qu'on va prendre pour la gloire. Plus d'influence, que c'est vrai que l'influence c'est utile. Enfin, tout est utile. Alors, niveau 5, repère des brigands. Renforts ennemis arrivent. Des renforts ennemis arrivent? Vas-y. Ouais, c'est parce qu'il reste plus qu'un crâne en fait. Si on avait les trois, du coup ça ferait trois crânes. Non. Si on était à trois, ça ferait trois renforcements. C'est ça que je veux dire. Sûrement. Alors, on est à 13. Alors, 3 là, 4 là, 3 et 3. Ok. Ça fait du monde. Ah putain. Ça fait du monde, en plus on n'est pas full. Elle est où notre copine? Ok. Ouais. Ça va être un peu chaud, mais on va se débrouiller. C'est parti?
Nickel. Après, c'est toi. Toi, tu repousses ou pas? Repousse de 1 mètre. Ouais, tu vas tanker, Will. C'est pas l'idéal, mais... Hein. On va attendre. Okay, on va sûrement le tuer. Ok, on est bon. On est en position. Adieu. Commence à être à court de... Ça va, c'est juste des archers. Honnêtement, donc ça va. S'occuper de... t'es où toi? Ouais, vas-y, full attaque. Attends, qui je suis en train de jouer là? Je suis limité en fait. C'est joli l'icône. Très joli. Alors du coup, elle va en profiter. Quel risque rien. C'est qui joue là? Ça va. Par contre, maintenant, je voudrais tester ça du coup. Voir la zone. Ah, mais c'est une zone comme ça, d'accord.
Ah, tu fais 32, quoi. Je sais pas, l'un ou l'autre. Comment tu récupères des trucs? Toi, c'est en t'engageant. À la limite, il devrait s'engager avec lui, comme ça je récupère un point. Puis en plus, t'es. Ah non, ça va pas s'engager, oh là là. Enfin, si, ça va s'engager avec ça par contre. Pas mal. Yes, voilà. Et là, t'es mort. Pas mal. Ok. Là, on a un autre combo. Avec le poison et... Avec le poison et la hache, là. Oh, on est bon, là. On a un combo. On a un deuxième bon combo. Toi, il faudrait te stopper. En fait, c'est bien, c'est qu'on a assez de personnes et de tanks et de DPS ou un peu des mix des fois tank DPS pour bloquer tout le monde en fait. Toi, c'est bon. Toi, t'es là. Et Graham va s'en occuper. Nickel. Toi, t'es bon. Après, c'est qui? C'est là. Ah, lol. Là qui va se manger un ours. Ouf. Mais t'as même pas joué, Wit. C'est pour lui activer, pas quoi que honnêtement c'est des archers, donc on s'en fout. Tout le monde, ce qui est bien c'est que tout le monde a son propre petit combat en fait. On dirait vraiment un champ de bataille, un vrai champ de bataille en fait. Vraiment cool. Bien. Enfant ennemi arrive. 22. Ouh.
que d'un côté? Non, ils viennent de là aussi. C'est pas grave, on est bon, on est bon. N'inquiétez pas, on va finir vos copains. On va finir vos copains petit à petit, le temps que vous arriviez. Très bien. Oh, oh, il y a la lance. Non, on va attendre. C'est con parce qu'on n'a pas pu récupérer galvanisation. Du coup. Avant que les renforts arrivent. Toi, tu risques de tirer l'archer, non? Non, ça va. Par contre, toi, je viens de te mettre inspiration, donc tu vas te mettre en défense. Je vais pas me faire le coup du... de partir en plein milieu des ennemis, merci. Ok, cheval en défense, en position. Là, tu fais mal, hein. Tu fais mal. C'est vrai, ça fait vraiment champ de bataille du coup là. C'est vraiment encore plus avec les avec le rajout des des renforts là, c'est encore plus quoi. Faut qu'avec Kiri qu'on récupère des points. Il est où Kiri? Qu'il est là.
c'est où qu'il y a du monde là ici. Ici on a fini. Ils peuvent s'en occuper. Mais il faut un peu de DPS de ce côté là. À la limite le... J'en sais rien. Peut-être envoyer l'ours. Je voulais l'envoyer là, mais bon. Oh putain, la course. Oh, juste, limite, limite. Je sais pas si oui tu peux toucher les deux. Et ça m'aiderait bien en fait. je crois pas. Hein. Débarrasser de ces deux-là, là. Alors, là on a du 3, mais du gros. Donc peut-être qu'on enverrait l'ours là-bas. Là on a... Ici il y a un gros paquet en fait. Ah, peut-être qu'on va envoyer l'ours à gauche. Le feu est chiant en fait. Thank you.
Thor, tu peux contrer ça pour le moment, le temps que l'ours arrive et tout. Bon, qu'on la tue avec l'épée magique. Ça demande un peu de soin là par contre, hein. Faire partir le saignement et tout ça. Là. Oui, qu'il est là. Oui, qu'il est là. Elle, elle peut soigner. Du coup, elle devrait peut-être aller avec lui. Ah, c'est pas le combat facile. Avec autant de renforts là, j'avoue que. Ration tant qu'ils sont gourmandines, à cœur c'est éclairé qui s'est amélioré. C'est bien parce qu'ils sont, ensemble. C'est dans le feu, putain! J'ai un peu peur qu'on perde des gens en fait. Bon, là. L'archer à la con, là, faudrait le bloquer. Ah, évidemment. On va le bloquer avec le rat. Lui, il va pouvoir taper, mais... On va voir. On sauve notre rat, quoi. Le rat, il a quoi? Le rat, il a pas de volonté, le rat. Pas la volonté de vivre, le rat.
Alors. Très bien. Dégal. Mais on va pas one shot. À la limite, je préfère faire ça sur lui. Et puis après, on fait l'attaque. Voilà. On n'en parle plus. Le poison et tout ça, ça fait mal. Hein. On va d'abord peut-être s'occuper d'eux là. Au moins les bloquer. Si je me mets... Attendez. Oh la vache, je crois qu'on est bon. Pas mal. Pas mal. Lui, l'archer, il faudrait le bloquer, trouver un moyen pour le bloquer. Mais je crois que je vais pas pouvoir. Je crois pas que je vais pouvoir bloquer l'archer en fait.
Il y a deux tanks qui arrivent en plus. Là, c'est la merde, hein, honnêtement. Il y a Taurus qui fait le boulot, hein, qui tape, hein, mais fou, c'est, ça fatigue. Hein. Je vais pas pouvoir faire tout ça tout seul quand même. Je sais pas s'il a joué, je crois pas lui. Résilient. Bon, après le reste, on les a pas mal bloqués. Pouvoir faire le lancer. Bien. Pardon. Ça fait combien de temps qu'on est sur ce combat? Au moins 30 minutes, hein, je crois. Je regarde. Ouais, 30 minutes. Pour l'instant, on gère. Pour l'instant, on gère. C'est là où il y a le gros des troupes. Que 8 aide. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. J'aime bien le coup de Taurus, de la hache là. Elle est vraiment sympa. Le fait de faire du critique là, à 100%, c'est sympa. Ça va sûrement se faire taper l'autre. Elle n'est pas bougée très loin. Kirik il a joué, Kirik il a pas joué encore. Bien. Oh. Oh, ça avance. Ça avance de toute beauté. On arrive à la fin du tour. Il y a le... Il y a le rat qu'il faudrait aider. Attends. Prenez-vous ça dans la gueule. Let's go! Oh oui, t'es allé sur l'ours. Là, j'ai cru qu'il allait aller sur Septel. Du coup, Septel, tu peux te remettre en attaque. Nickel. Parfait.
Toi, on va juste avancer pour le moment. Pas mal. D'avoir on a repris l'avantage. On les a tués assez vite. Alors, toi... Bon, je crois qu'on va devoir bouger le rat. Il y a trop de monde, en fait, côte à côte, là. Il fait quoi, lui? Lui fait critique assurée quand c'est... Ce qui est bien, c'est que je crois que dans chaque région... En fait, ils ont une spécialité et tout ça, j'ai l'impression. Un peu. Genre là, ce qu'on comprend... Enfin non, peut-être dans... Pas dans les régions, mais dans les types de... Genre, comment ça s'appelle? De factions, en fait. Du coup, je sais pas qui joue. Alors, là, t'as du poison à faire. Et en finir avec lui. C'est vraiment un champ de bataille, hein. Je pensais pas que ça pouvait être aussi grand en fait. Ouais, là il y en a beaucoup. J'aurais dû utiliser le cheval pour booster le déplacement avant. Si on avait le temps en fait. Qui a besoin de soins? Il y a la lait qui est un peu, qui a à moitié de sa vie. Toi, t'es en feu aussi, il va falloir te gérer. Ok, très bien. Oh putain, t'es sérieux? Bien. C'est toi qui va taper. Toi, t'as des debuffs? Non, t'as zéro debuff. Après, on a le... Ouais, non, on a le cavanisation. Oh, pas mal, pas mal. Ma mettre protection. Parce que eux, ils vont être longs à tuer en fait. Faut qu'on se charge du maraudeur en fait. Oui, il va pouvoir le faire, je pense. Voilà. Elle c'est un peu dur de juger sa puissance à cause du fait que ça va prendre juste le premier coup, donc 5-11. Donc c'est vrai que c'est un peu relou.
Faudra changer d'arme. On va changer d'arme. Bon, on va pas pouvoir en finir encore ce tour-là. Hein. Ça va, le poney, il a encore de la vie, pas besoin d'utiliser un point. Oh, tu m'as mis fragilité. Fragilité, pourquoi? Alors, si elle s'est engagée avec cette compétence, tu appliques fragilité pendant un round. Ah, ok. Le bruit du loup, il faudra qu'il change. C'est pas vraiment le bruit d'un loup, quoi. C'est un galop. On va se mettre là. Donc je peux pas l'engager parce que sinon il va m'engager et ça va faire une fragilité quoi. Je devrais pas me mettre en danger. Mais derrière. Pas mal. Maintenant je suis bloqué. Le truc c'est qu'on va pas pouvoir les aider en fait. Si je fais ça, je peux me désengager ou pas? Première fois que je me désengage dans le jeu. Ah, dis-moi que tu peux. Yes. Yes. T'inquiète, l'ours arrive. Ça va se faire tout drôle, mec. Thank you.
War aider. Nickel. Bah du coup, je crois que ça va être encore un tour. Oh! Ah, oh, ça fait même animation quand elle l'aide en fait, quand elle supporte. Oh, ça tue. Je pensais pas à ça. Ah, c'était chaud quoi. Tout réparé, j'ai pas assez. C'était chaud de chaud de chaud. Ah, faut qu'on fasse un camp. C'était chaud de chaud de chaud. Content que ça soit bien passé. Gâteau à la menthe. Il y a une influence au moins de 15%. Ça tue. On peut les ouvrir tes coffres. Ouais. Marché noir, si vous souhaitez refaire pleinement de toutes les offres du marché noir, il faudra vous y rendre. En attendant, vous pouvez traiter avec moi. J'accepte tout, n'importe quoi, n'importe sa provenance. Qu'importe sa provenance. Dégâts infligés aux ennemis empoisonnés. Baume infectieux. Ah, cool. Dégâts infligés aux ennemis empoisonnés augmentent de 5%. Ce serait très bien avec la hache en fait, ça irait vachement avec la hache. Ouais, ça serait vraiment bien clair. Du coup, c'est un accessoire, comment ça se passe? Yes! En plus, on peut le crafter. Hein. Donc ça, on le met sur Taurus. On le met sur Taurus. Et du coup, il va faire encore plus de dégâts. Crit sur les ennemis empoisonnés. Donc t'imagines avec ça? C'est bon, quoi. Ah, il y a le poney qui a augmenté. Le poney, je crois qu'on va miser dans les mouvements encore une fois. Ah, je dirais pas non pour la constitution, mais... Vu que c'est un tank, autant qu'il se bouge, quoi. On est tranquille dans notre camp ou pas? Yes, on est tranquille. Eh ben putain. Quel bordel. Alors, on a eu des tuniques dehors la loi. 28, 2 et 2. Tuniques dehors la loi. Amitoténio 4. Par contre... Armure 20, là c'est 25. Parce que vu que tu as le critique, tu t'en fous un peu.
Un emplacement. Là, il y a quoi? Il y a critique 3. C'est quoi cette armure? Fais voir. Armure. Harnois plein. On a plein de plaques de ce harnois pour le protéger de la pluie. Alors, moins de mouvement. Alors, garde 20%. Armure 46. C'est pas mal. Il y a aussi Taurus qui est en armure lourde. Non. Non, non, Taurus c'est intermédiaire. Non, c'est qui? Wit. Garde 20%. Ouais, mais lui on lui a augmenté la force déjà, donc on s'en fout. Bah, à la limite, c'est Lucie qui va en bénéficier, hein. Elle perd le critique, mais honnêtement, le critique, elle, on s'en fout. Elle va gagner 17 en armure et 2% en garde. Bah, c'est le même skin, mais pas la même couleur, quoi. Pas mal de lui mettre ça parce qu'il gagne du critique. Moi, bon, il va perdre les cartes de force. Non, il perd trop. Alors, maintenant, ça c'est quoi? Dégâts à toutes les unités, coup critique assuré quand les unités ont empoisonné. Est-ce qu'elle est de plus haut niveau? Non, on a quoi là? En grande gueuse niveau 5. Non, c'est la même. Ah non, si, attends, force plus 2. Ah, 2 étoiles, ok. Ben voilà, très bien. Et tout le reste, on peut le vendre. Le tir vicieux. À chaque fois, je dis que on devrait changer l'arc de Warringtos. Chaque fois, je dis ça. Mais au final. J'avoue que. J'avoue que ça aide. À chaque fois le feu. Ça aide quand même. Parce qu'elle va foutre le feu à des cibles qui mettent du temps à venir et tout ça. Maintenant, on gère beaucoup mieux le feu. Donc ça va. Mais le problème, c'est que nous, on l'a fait comme quoi c'était une victoire valeureuse. Genre, chaque fois que une unité tue, ennemi obtient un bravoure. Obtient un bravoure. C'est pas utile en fait du tout pour elle. Il faudrait qu'on la respecte. Bon, c'est 500, on va pas le faire. Mais faudrait qu'elle ait. Enfin, soutien valeureux, honnêtement. Faudrait qu'elle ait complètement soutien valeureux. Tiens, elle peut mettre fureur, flèche de dressage. Fureur aux animaux. Pression de lâchage. Chaque attaque effectuée à plus de 8 mètres à 10 de distance confère une rage. Quoi? Chaque attaque effectuée à plus de 8 mètres? Ah, tu veux dire que, genre quand tu tires à 8 mètres en fait, ok. Début de combat acquiert une compétence passive des animaux alliés. Une compétence passive des animaux alliés? Ça peut être quoi? Genre, ouais bon, attraper du poisson, ça m'étonne rien. Genre par exemple ça, peau épaisse. Sens du sacrifice. Ouais, enfin peau épaisse quoi. Ouais non, je pense pas que ce soit très très... Non, je pense que, ben... Ça, quoi, le frisson de la chasse, hein, ou alors, enfin, la fureur aussi, c'est pas mal. Hein. Non, peut-être la fureur, on en fait vraiment full chasse. Elle. Ah, voilà, changement d'arme permet d'équiper un deuxième arc et d'en changer pendant le combat. Voilà, elle, ça va être le. Je crois que c'est une des plus intéressantes, c'est ça, pour elle. C'est d'avoir deux arcs. Un arc à haut de feu et un arc cible seul. Il y a quoi? Loup solitaire, tant que... Non, ça c'est pas intéressant pour elle.
Anticipation, quand l'unité se fait engager, ça... Non, ça aussi c'est pas... Ouais, non, non, c'est bon, on pourra changer d'arme, c'est mieux. Je crois que Fureur... Quoique Fureur, c'est pas vraiment... Enfin, Fureur, en fait, on l'a facilement. Avec les animaux. Genre l'ours, il l'a automatiquement et tout, enfin voilà quoi. Chaque attaque fait plus... Ouais, on mettra Frisson de la chasse avec changement d'arme. Là, du coup, elle redevient. Ouais, on n'a pas besoin de la respect, en fait. Pas du tout. Pas du tout les lapins. Alors. Bon bah du coup on a pris cher. Honnêtement on devrait peut-être rentrer en ville. Ah, après il y a les déserteurs aussi qu'il faudrait se taper. Oh putain j'ai pas envie. J'ai pas envie, on est loin, il faudrait soigner. Enfin, il faudrait réparer nos trucs, quoi, nos armures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on peut le faire. On en a encore, on en a dans le coffre. Qu'on est en train de blanchir, donc à la limite ça. L'allée, elle, dégâts subis doublés. On a combien de remèdes? Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je classe les choses parce que là, qu'on arrête de faire le classement trioto parce qu'en fait on s'y retrouve plus. Allez, on va faire à manger. Qu'est-ce qu'on fait? On tue un sanglier ou pas? Est-ce qu'il me reste du sel? On a du sel. On a très bien. Très bien. On n'a qu'une seule carcasse. Hop là. Très bien. J'aime beaucoup le fait que les machins récupèrent du fromage, c'est marrant. C'est très très marrant, je trouve. Mais ouais, Rataupe, honnêtement, Rataupe. Je pense que c'est les plus intéressants. Les rats pestiférés, encore une fois, ils sont trop fragiles. Ouais. Mais les rats taupes, c'est pas mal. Ça peut bloquer... ouais, ça peut même bloquer des gros mecs hein, avec des grosses haches et tout ça. Parce que je me suis dit, il y a plus ou moins tout qui peut bloquer genre des archers. Parce qu'ils font pas de dégâts, en fait, une fois engagés. Mais les rats taupes, ils peuvent quand même bloquer des mecs. Hein. Des mecs ou des animaux et tout. Hein. Donc ça, je suis content. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Warrington? Si seulement mes parents pouvaient me voir, ils seraient tellement fiers que la guerrière que je suis devenue. Et ouais, rester digne. Écrire aux proches. Montrer, faire une démonstration de ses talents au groupe. Point d'attribut. Let's go. Alors, si on fait ça, on augmente les dégâts. Le mouvement, il est un peu pourri. Le critique. On augmente le critique. Parce qu'on sait qu'un arc, il y a un arc qui fait double tir si elle critique. Donc, je pense qu'on va faire double tir
et cet arc-là de flèche de feu à un moment ou à un autre. Donc autant booster son critique pour le moment. Bon, on va se réparer, on va aller voir les déserteurs. Là. Donc heureux que un truc suffit. Hein. Regardez, ça a bien boosté. C'est quoi, c'est 36 de réparation? Ah, c'est 36, ça tue. Ça tue, ça tue. Il nous en reste 5. Tu les as blanchis? T'en mets du temps. Apparemment, on est encore lourd. Est-ce que tout le monde fait son boulot? Oui. Même le vieux, il transporte, c'est bien. Enfin, bah, il mange aussi, hein, donc il a intérêt de transporter. Ah, c'est le ragoût en fait qui est lourd. Accessoirement, tout ce qu'on a. Ah, attends, on est à côté des bandits là. Ils peuvent pas nous racheter des trucs. Elle a dit qu'elle achèterait n'importe quoi là. On y arrive, on y arrive. Frappe consacrée, on a dit qu'on l'a gardée. Mouvement. Voilà. Alors on avait dit premier soin. Fais voir. Voler un voleur, quoi. Ça nous donne. Ça nous demande d'être recherché. Je trouve ça un peu bête. On apprend premier soin à quelqu'un. C'est vrai que c'est que 150. Et là, on a un peu d'argent. Renferme savoir, vise et portée de la prochaine attaque doublée, précision améliorée. C'est des engages. Premier soin, provocation, premier soin. Alors, comment on peut l'apprendre aux gens? Apprendre, ok. Alors, qui... On a trois soins dans l'équipe. On a Mene qui est plus un support et tout ça. Entre Führer, premier soin et Douza. Donc c'est un support. On a Witt qui peut traverser en fait le terrain. En gros, ça c'est on a différents types de supports. On a support qui reste côte à côte d'un tank ou de qui que ce soit, on s'en fout. Elle supporte la personne. T'as Witt qui traverse le terrain, qui passe à travers les gens et tout ça avec l'interception et tout ça avec sa grosse armure et tout. On m'explique pourquoi les armures elles sont pas, elles sont. Ah, je les ai pas réparées celle-là. Tu te fous de moi? Hein, je suis sûr que je les avais réparés, ça. Les gens devraient être full. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, et après on a un troisième soin. Avec Orlin. Avec Orlin. Je verrais bien un soin avec Hacker, comme ça, parce que lui il a la course, il peut se faufiler entre les gens. Mais bon, je suis pas complètement certain. Lucie, elle va souvent être. Mais pourquoi elle a l'air. Bon. Lucie, elle va surtout être en tank.
Kirik, à la limite, vu qu'il a la charge d'implacable, il pourrait passer en fait pour soigner les gens. Je sais pas. Ouais, Kirik pour les charges implacables, vu qu'il traverse les gens et tout ça, il peut peut-être rejoindre les gens et les soigner. Tu vois. Voilà, on voit les soins. Voilà. Premier soin et provocation. Pas mal. Allez, on continue. On est à combien de temps? On est à 1h12. Ça doit être des gens attaqués. Oh, il y a des trackers ici. Je sais plus si on avait des choses intéressantes à acheter. Étendoir à peau. Je crois que c'est ça qu'on voulait. Hein. Merci, vous gérez. Un peu. Yes. Alors j'imagine que je vérifie parce que je sais pas à chaque fois. Alors étendoir à peau. Ok, qu'une fois. Alors comment ça marche ce truc? Alors compagnie et production de cuir à partir de carcasses animales pendant le repos. Ok. Attends. Ça marche avec ça ou pas? Non, ça marche pas. Ok. Il faut des carcasses. Ouais, ça c'est des rats en fait. C'est pas dans l'autre sens. Ok. Il va nous falloir un troisième cheval, du coup, je pense. Au final. Pour l'instant, pour l'instant, on fait en sorte de pas le. De pas en avoir besoin à chaque fois. Mais. Où tu vas? À chaque fois, on fait en sorte de ne pas en avoir besoin parce on se limite et tout ça. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on visite un lieu, en fait, visiter un lieu, c'est avoir cet écran-là où on parle avec des gens, où ça peut être en pleine forêt et tout ça, les rats, ils trouvent du fromage. Enfin bref, un troisième poney, en fait, pour être certain de plus en avoir besoin, en fait. Parce que c'est vrai qu'on jongle, en fait, avec, genre, on trouve des sangliers et tout ça. Mais ouais, ça serait bien de. Vous pouvez penser qu'on est des traîtres, mais j'aimerais bien vous y voir. On nous demande de combattre un homme désigné par Jéru. Soudoyer. Ma famille a besoin de savoir, ça veut bien d'être damné, je suppose. Eh oui, ça vaut le coup. J'aimerais bien faire un tour en forêt, mais j'ai pas envie de trouver les esprits là. Les esprits viennent en renfort à plusieurs vagues là. Trois vagues avec un boss et tout. On en a déjà fait où ils étaient niveau 3 et. Un peu chaud quand même. Ok, on va rentrer du coup. Enfin non, on va continuer. On va la faire la quête de la baie.
flèche aussi. J'aime bien ce que j'étais en train de me dire, de genre le poisson et tout ça, c'est pas vraiment des trucs qu'on utilise et tout. Mais au final, ça reste quand même bah, des choses à faire. Instable. Ça, c'est de la nourriture quand même à récupérer à chaque fois. Ah, on peut pas le franchir. Si on peut. Intéressant. On a quoi? On est à 8 sur 13, ça va. Ah la bravo, on l'utilise. Hein. C'est pour ça que c'est vrai que c'est bien d'avoir une grande réserve maintenant. Oh, devenu pêcheur confirmé. Car. C'est pour le poids surtout. Alors fais voir ce que ça fait. Critique 3, volonté 2 maintenant. On peut pêcher dans les cabanes de pêche. Ouais non, ça change pas. Après, j'ai envie de dire. Ah, vous pouvez pêcher avec deux cannes à pêche à la fois. Ça serait marrant, ça. Bon, on va faire sa mission. On va se remettre sur la route pour aller plus vite. Ça, je voudrais en finir, là. Combien de fois on a eu des gens qui squattent notre groupe, quoi. Qui demande à manger. Qui êtes-vous? C'est l'armée du Seigneur. Ce groupe a l'air surpris de vous voir. Ce groupe a l'air surpris de vous voir. Let's go. Bon, plein combat quoi, on s'arrête jamais. Où ça? Ah, on est lourd parce que l'autre il a trouvé du fromage, on est lourd maintenant. On va un peu. Non, voilà, on fait ce qu'on va et on s'arrête, je pense. Au prochain camp, on s'arrête. 3, 4. Où le reste? 3. Ok. Il y a un chef. Non, c'est des spadassins et tout ça. Non, non, non.
Taurus avec Jill Valentine. Qui passerait en plein milieu. Il me manque pas des gens là? Non. Oui, enfin maintenant on n'a plus de sanglier quoi. Kairi peut passer par là, se mettre en joue avec les sapeurs. Ah, quoi que, enfin s'ils sont. Si je me mets genre là, ça touchera pas, je crois. Ah, quoi que je me mets là par contre, ça peut peut-être toucher. Faudra voir. Déjà se mettre en position. Je crois pas que ça va toucher. Ah si, ça touche. T'as pas loupé toi? T'aurais dû... Ah mais peut-être qu'il pouvait pas, j'en sais rien, c'est bizarre. Adieu. Ah si, quand même. Oh, vache. La zone. Je peux pas. Attends, peut-être de l'autre côté. Ah, très bien. Est-ce qu'elle est bien, elle? Content de l'avoir joué comme ça là. Et puis on t'a trouvé une lâche aussi, ce qui rend le truc complètement débile quoi. Voilà, on est déjà à 32 dégâts. Voilà, voilà. Ah, j'aurais pu faire provocation, mais bon. Ce type d'épée fait pas mal, c'est les épées qui repoussent là tout le temps. C'est honnêtement de la merde. Ouais, on a bien fait d'augmenter le mouvement de l'ours, hein, putain. On peut aller vraiment très loin, quoi.
Pas besoin d'utiliser des points, ils sont quasiment tous morts déjà. Je m'étonne qu'elle doit avoir peur. Mais ils ont un ours! C'est fou! C'est malade! Ils ont des rats qui vont partout! C'est dégueulasse! Ils ont un rat infesté par la peste! Après, c'est... Nous, on a eu... Nous, on est concentré sur l'ours et Sou. Oh la vache. Je recommence cette phrase. On s'est concentré sur l'ours parce qu'on l'a eu au début. Donc, c'est vrai que ça a été un peu la mascotte. J'ai envie de dire la mascotte du groupe. Hein. Oh la vache. Et qui nous a vraiment aidé, vu qu'en plus on est en difficulté la plus élevée et tout. Mais je trouve ça vraiment cool, encore une fois, qu'on puisse faire plus ou moins ce qu'on veut. Genre avoir plein de rats, plein de rats taupes ou de rats infestés ou je sais pas, ou plein de loups, plein de trucs comme ça en fait, c'est vraiment bien. On a un Jacques et une falchion, c'est quoi, dégâts s'il me repousse d'un mètre. Mercenaire, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je ne trouve aucune trace du chariot qui collecte les impôts. Je crois que vous avez massacré une simple patrouille. Ok, cool. Ne le sont pas abattre pour une banale méprise. Ces gens de la lumière me pardonnent de dire ça. Méritez de mourir de toute façon. Vous n'avez pas à craindre pour votre salut. Tuer des hérétiques n'est pas un péché. Me vient une autre idée. La collecteur d'impôts passe toujours par un petit pont non loin de là. Nous pourrions leur tendre une embuscade. Lui, il me fait tuer des mecs. Lui, je suis sûr qu'il me fait tuer des mecs à foison, juste pour lui, quoi. Je crois, il me mène en bateau à fond, quoi. Par contre, ça, c'est un truc dans le jeu, c'est qu'en fait, on peut pas vraiment s'arrêter par rapport aux missions. Où on est, bah, on est dedans, et puis du coup, genre, on sait que le mec, là, il nous mène en bateau, je suis sûr, hein, je suis quasiment certain. Mais on peut rien faire. On peut rien faire. Battre une patrouille entière à vous seul, y a pas à pire, vous plaisantez pas. Y a pas à dire, vous plaisantez pas. On les a vraiment aidés. Les soldats de l'arrêt se sont pris une sacrée correction. Fallait pas vous chercher. Hein. Tenez, prenez ça, je suis heureux que ça tombe pas entre leurs mains. Ah, d'accord. Vous êtes des héros. Bon, bah, si les gens sont contents. Hein. Qu'est-ce que... Oh, on va pas se plaindre. Couper du bois, je le cherchais. Hop là. On est plein. Tu veux que j'aille là-bas, toi? Ah, là. Oh, il y a un combat, là, à gauche. On va devoir s'arrêter, de toute façon. Alors, on n'a rien à sécher. On devrait avoir bientôt l'arme. Ouais, pas l'arme, j'en sais rien. Peut-être l'armure.
très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des trucs à vendre encore. On a quelques trucs à vendre. Mais ouais, avec l'argent qu'on a, là, il va falloir investir dans un poney. Si ça vaut 300, peut-être 400. Donc ouais. Je pense si on devrait pas les mettre côte à côte, vraiment. Pour qu'ils deviennent amis. Genre, on peut les mettre comme ça. On est bien là. On est bien. Moi j'aime bien notre camp. J'aime bien. Notre camp est marrant. Classe. Honnêtement, ils ont eu des super idées. C'est Shiro Games, je crois, les développeurs. C'est des Français. Ils ont eu des super, super méga idées. Je suis vraiment très heureux de ça. Et... Oup. Alors... Troupe s'est reposée. Ratop rapistiféré se sont reproduits. Rapistiféré rejoint votre... Ah ! Genre de la même famille. Dans ce sens-là. Oula. Oula, je crois que ça fait un truc bizarre. Par contre, on a récupéré encore une tablette lisse. Attends, donc ça c'est ce qu'on avait. Un rat cétiféré. Bah, c'est un mélange entre le rat taupe et le rat pestiféré, en fait. C'est débile. Bon, par contre, il est niveau 1, le machin. Putain, qu'est-ce que c'est moche, quand même. Après, un truc qu'on pourrait faire, c'est utiliser ces rats, là, genre niveau 1, pour avoir des... Est-ce que l'alpha, il l'a... Non. Il n'y a que la lait, je crois. Elle a ça. Genre, chaque fois qu'un animal allié meurt, cette unité gagne fureur. Si vous voulez avoir plein d'animaux et tout ça, ça peut être pas mal. Alors, il est agile et humaniste. Ça n'a aucun sens. Hop. Ça n'a aucun sens. C'est un pestiféré, mais taupe. C'est un taupe pestiféré. Ça ces trucs là. Magnifique. Alors. Après ça doit être pour de l'argent. Ah non, trésor des anciens. Ah, trésor des anciens, ça doit être les armes. L'or, c'est de l'argent. Je pensais dans ma tête que c'est une armure et tout. Mais non. Ça doit toujours être une tablette lisse en fait. Ah, ça fait de l'argent, hein. Et l'autre, ça doit être de l'équipement. Bon, par contre, ça mange, hein, les machins. En tout cas, je vais m'arrêter là. Ça me fait rire, ces conneries. C'est marrant. Et c'est super, ce jeu. Super. À la prochaine, portez-vous bien. On continuera. La prochaine fois, on continue sur sa quête là. Ah non! Attends, déserteur... Ah non, non, faut aller au pont. Ah, c'est le pont qu'on a traversé, en fait, le pont instable. Ouais, il veut qu'on tue tout le monde. De toute façon, on peut pas le virer.
Donc, et en plus, on peut même pas le laisser mourir. Donc, ouais, on est obligé de faire sa quête, on est obligé de continuer. À la prochaine, ciao.